Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'album Madame des Houlières de Jean Lumerat, un album où il invite Isabelle Huppert. Cet album est sorti en 2001. Madame des Houlières est une poétesse et une écrivaine du XVIIe siècle. Elle est la première femme académicienne de France. Je trouve qu'il y a de nombreux points communs entre Jean Lumerat et Madame des Houlières. Ils ont tous les deux des thèmes et une écriture où se mélangent la sensualité, la nature, le pastoralisme, les amants. Je trouve qu'ils ont tous les deux une philosophie très terrienne. Donc je trouve que Madame des Houlières aurait pu écrire les textes de Jean Lumerat et Jean Lumerat aurait pu écrire ceux de Madame des Houlières. Il y a une sorte de gémellité à travers les 3 siècles qui les séparent. C'est assez troublant. Donc, en 2001, ce très beau projet est sorti sous format CD. Donc, voici le CD de 2001 avec une très jolie gravure. Donc, le CD s'ouvre ainsi. Gravure, c'est une gravure de Pierre Mignard. Voilà. Donc voici le CD avec la jolie gravure à l'extérieur, à l'intérieur. Voici le livret avec les dialogues écrit par Jean Lumerat pour mettre en scène cette rencontre et également tous les textes de Madame des Houlières. Enfin les textes choisis pour ce projet puisqu'apparemment elle a écrit plusieurs ouvrages donc elle est l'autrice de nombreux textes. Voici pour le CD qui est sorti en 2001. L'album a été enregistré à la fois au studio Davout à Paris et en même temps dans le château de Charenzon sur les terres de Jean Lumerat en Auvergne. Et j'aime beaucoup la musique de cet album, l'ambiance sonore où Jean Lumerat mélange les clavecins, le luth, l'orgue, la guitare, les synthés, les bruitages. Cette ambiance sonore et ces musiques sont vraiment belles. Et riche, intemporel. Je trouve que c'est une vraie réussite. Et donc, en 2019, il y a eu la version vinyle qui est sortie. Alors, voici le vinyle en question avec cette très jolie pochette avec un sticker. Sur lequel il y a écrit édition limitée version remasterisée, première édition en vinyle, donc en 2019, inclut un bonus inédit. Donc effectivement, il y a un titre supplémentaire qui est le dernier, qui est le titre Tous les hommes sont des trompeurs, qui a un très beau, qui a un très beau, une très belle chanson, je trouve, un très beau titre. Donc voici pour la pochette du vinyle. Voici pour la sous-pochette avec les textes écrits de Jean, les dialogues écrits par Jean Lumerat et tous les textes de Madame des Houlières. À part le dernier, je trouve que c'est dommage, le titre bonus qui a été ajouté. Les titres, la chanson, les textes, pardon, ne sont pas écrits. Donc, je trouve ça, bon, ça aurait été sympa s'il y avait eu les textes. Voilà, donc c'est un vinyle avec le label identique des deux côtés. Un vinyle plutôt léger, je dirais que c'est un vinyle 180 grammes. Ah, qui tombe. Voilà. Et à noter qu'il existe 2 CD promo, un avec une superbe photo et un autre avec des titres inédits. Personnellement, j'aimerais beaucoup que Jean Lumerat revienne avec un projet comme celui-là,
où il mélange les genres, les époques, les musiques également. Et voilà, je trouve que c'est un vrai projet, un très beau projet et une très belle réussite. Donc je vous invite à découvrir cet album qui est vraiment, voilà, que j'aime beaucoup. Donc cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne nuit et vive la musique. Salut!